Effectivement. Non. Ah. Ah. Est-ce qu'on a besoin de... Do I look like King Kong? Ça va être drôle. Il y a des animaux, enfin des couples d'animaux, mais cartoon, quoi. Je les ai fait cartoon comme dans les dessins animés des années 40, les années 30 aux États-Unis. Can I try head? That's for me? Yes, but it's not yours. It's a male version. It's for Avlook. Wow! I look like Mickey Mouse, actually, you know? Ça, c'est très drôle, c'est la veste de l'icône. Le père de Rilia et son masque de catcheur mexicain à oreilles de mouton. Voilà. Enfin, à chaque fois, ils sont d'un univers particulier avec des références. C'est-à-dire que les références iconographiques que j'utilisais ont aidé aussi à choisir les matériaux. Quoi. Enfin, donc il y avait une logique, évidemment. Par exemple, Orlando, lorsqu'il est dans sa camisole, c'est des matériaux un peu plus durs, un peu plus bruts. Des lanières de cuir, des boucles, des cotons assez épais. Contrairement à Angelica qui est avec des soies beaucoup plus raffinées. Après, ça c'est une des deux robes, une des trois robes d'Angelica. On l'appelle la robe citrouille, vu sa forme. Ça c'est les chaussures d'Angelica pour le premier acte. Je crois que ce serait quand même mieux. Voilà. Avec une sangle qui. Et des petits lacets qui s'enroulent autour des chevilles.